Re-YouTube. La suite de nos aventures sur Stardew Valley avec Amaury. Je n'ai toujours pas retrouvé mes cheveux. Ah. Il va peut-être falloir attendre quelques années avant que je les retrouve. Si jamais je les retrouve. Ah, baisse pas non plus. Ah, j'avais mis longtemps à les faire pousser. Et bah t'es si sûr, je pouvais avoir les tiens. T'es sûr que l'arroseur que t'as mis, c'est sur deux cases? Parce que là, je vois qu'il arrose, mais... Mais oui. Bah, je vais le coller à côté, attends, pour voir. Ah, on peut pas le poser dessus. Non, je peux pas. Oh, fuck. Je peux pas softlock le chat. Bloquer sa gamelle. Bon, et ce putain de poisson. Bon, là, on a l'événement des bonhommes de neige chez Marnie. Oui. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Et moi, il y a ce putain de poisson que je veux pêcher. Hein, donc, Donc voilà. Le poisson de ses morts. Ah non, mais je vais l'avoir. Hein. Je veux l'avoir et je l'aurai. L'Amérique. Ah, du coup, on se branle la nouille jusqu'à 9h, hein, c'est bien. Une journée à rien foutre. Oui, c'est ça. C'est ça, pire. Quel... Oh, j'aurais dû infiniser le. En plus, je peux même pas aller au désert. Ah oui! Mettre du cuivre, ouais. Non, par contre, tu peux aller pêcher. Tu peux aller pêcher en dessous de chez Caroline, en attendant. Oui. Et limite, à 14... avant 14h, y aller, tu vois. Histoire de faire quelque chose, quoi. Mais. Je sais pas si tu pourras aller à l'événement si. Moi, j'y suis pas. Non, mais viens avec moi. Ah oui? On va en dessous de chez Caroline, on pêche et à 13h30 et quelques, on y va et voilà. Bon, bah on y va alors. Mais en plus, genre, ça a commencé chez Marnie et Marnie se balade en ville. Ah bon? Non, mais vraiment? Mais what? Non, mais je pêche, sans grave des poissons. Ah oui, tu grattes des poissons. Moi, j'arrive. Par contre, c'est un scandale. Hein. Je pense que j'ai choisi le pire jour de ma vie pour essayer de pêcher un poisson légendaire dans ce jeu de merde. Hein. Là, c'est scandaleux. Hein. Ah, c'est y a le glisse quand même. Ah. Cette fois-ci, je vais prendre des granats. Et du coup, il va pas pêcher, je le déteste. Il va jamais monter sa stat niveau 10 avant la fin de l'hiver. Si, si, puisque je peux pêcher au désert. Oui, mais t'as pas le temps. Oh, mais si, largement. Mais putain de poisson, merde, mais c'est... J'avais oublié qu'ils étaient difficiles, ceux-là. Au moins, ça m'entraîne. Il y a quoi en quête? Ah merde. Enfin, je vais voir. Par contre, surveilleur. Hein. Ouais, j'ai vu surveilleur. Insecte juteux recherché, 100 morceaux de viande d'insecte, ok, substance curieuse, ectoplasme, 7 jours. Okay. Les insectes, on pourrait les faire. Les insectes, on pourrait les faire, vas-y, je prends les insectes.
Ouais, bah je crois que je vais... On va aller dans la mine et on va tuer des insectes. Hein. Au pire, tu le fais, hein. Moi je veux pêcher mon poisson. Oui. Alors en graines, il y a le cactus, la rhubarbe, Midi la 40, hein. betterave. Oui, ben. Faut que tu sois là avant 14h, hein. Voilà. J'ai pris 60 graines de rhubarbe. Ok. Comme ça, on peut les planter en été. h 20. Ouais, j'ai vu, je suis en route. Hein. Mais c'est mort à 14h, hein, si jamais. Hein. C'est bon. Hop là. Comme c'est trop tard. Hein. Non, non, il y est. Ah non. Non, non, je t'ai dit, c'est mort à 14h. Oh, tu s'en fous, il n'y avait rien à gagner. De mémoire, c'est. Il y avait un chapeau à gagner. Non. C'est pas un chapeau. Je pense que c'est des hameçons. Je vais aller commencer à tuer les insectes. Hein. Oh, encore? Putain. Non mais débilus aussi moi. Poserai ça demain. On a loupé l'event quoi, Mori tu fais chier. Hein. Non mais ça pouvait attendre. Elle est dans le désert. T'aurais pu pêcher, monter tranquillement ta stat. Accumuler des poissons. Ok. Jeu de mort. Mais je vais bah, bah deux lacs pendant que je pêche. Bah vas-y. Que ça me saoule. En fait, on aurait dû redémarrer la partie pour. Enfin, les jeux pour. Peut-être voir ça moins lag parce que la dernière fois, on avait eu moins lag que ça. Vas-y, on va. Quand ça va save là. Après la nuit, on va tenter, hein, parce que là, c'est pète couille. Hein. Il y en a beaucoup trop, là. Hein. Oui, là, c'est bizarre. Putain. Vas-y, lâche-moi des viandes, toi. Mmh.
Moi, je pense qu'il y a une strat pour le suivre quand il fait ping-pong. En fait, faudrait bourrer pour monter. Et ouais, et que ça bum vers le bas. Ouais, non, mais c'est chaud! C'est pas du tout intuitif. C'est un troll. C'est un putain de troll. Moi je le déteste, je le déteste. En fait, j'ai compris comment le suivre, mais c'est trop dur. C'est genre, c'est pas intuitif de ce que t'apprends dès le début. Bah, en même temps, tu t'attaques aux gros poissons, enfin les poissons légendaires, quoi. Je sais pas si je l'avais eu, déjà. Une date secrète. Bah ouais, bah. Oh là là! Bah j'essaie des trucs, hein, parce que. Sinon je vois pas comment je peux y arriver. Oui bah oui. Beau lag hein. Je pense qu'il a bien kiffé le poisson légendaire là le lag. Hein. Bon, après on va relancer le jeu parce que... Non mais c'est... La dernière fois on avait beaucoup moins de lag. Bah mais déjà sans ça c'est imbuvable alors... Oh, il est 23h, faut que je remonte. Je le déteste, je le déteste. Il m'a fait 4 ou 5 va-et-vient. Genre haut, bas, mais genre super vite. Ah ouais. Non mais c'est n'importe quoi. Non mais je vais l'avoir. Hein. Parce que après... C'est limite, pour l'avoir, ça tient presque de la luck. Hein. Vraiment, genre tu fais des moves au pif et tu chattes. Oui, je sais, il fait tard. Je garde les morceaux d'insectes sur moi. Bon, de toute façon, dodo, sauvegarde. On découvre au call. Hein. Parce que même là, dans la mine, ça a été une misère. Allez. Allez, hop, on va faire ça. Ouais, je vais me fermer le jeu. C'est jamais. Ouais, c'est ce que je vais faire aussi. Quitter. On va relancer le jeu.
Mais ça y est, je sais c'est quelle appât qui. Enfin, quel matériel de pêche qu'il faut pour la cale. On peut tester hein, avec les appâts, mais je suis vraiment pas Bah, c'est pas convaincu les que appâts, ça. c'est le matériel. Oui, les hameçons, ouais. Mais je suis vraiment pas convaincu que ça fonctionne bien pour choper les légendaires. Hein. S'il y en a un qui est pas mal apparemment. Enfin, il y en a deux, mais les deux ils valent pas très cher en plus. Mais moi je sais pas si je vais les avoir. Mais bon, je vais aller voir. Oui. Allez, hop. Plus j'ai pas eu le temps de ranger. C'est super. MDR, MDR, non mais MDR. Ah oui, je viens de voir. Oh oui, mais c'est le deuxième poisson le plus dur, hein, ça. Et moi, je suis un gros débile. Non mais même les poissons sauvages de base, c'est des trolls pendant l'hiver là, c'est un truc de fou. Oui, en hiver, c'est que des poissons assez gore. Ouais, bah oui, je le connais ce pattern-là, oui. Bon, je te confirme que ça frise toujours autant. Hein. Moi, j'ai pas l'impression de trop freeze. Oh putain, c'est vrai. Non mais même quand il fait ça. Mais... Et là il est resté en bas, ça j'ai tellement paniqué que. Et non. Allez, mais vraiment. Il va falloir que je monte mon niveau de pêche. J'ai pas accès à l'appât. Je vais casser un truc.
Mine. Quand il fait ça, je sais pertinemment que c'est mort, d'office. Sérieux? Trolling, putain, j'étais à 3 quarts. J'étais à 3 quarts! J'étais à 3 quarts. J'étais à 2 doigts, il s'est mis à me troller d'un coup là, à partir dans tous les sens. Vas-y, putain, je vais casser un truc, je te le dis. Ça continue à freeze comme ça, je vais casser un truc. Mais les poissons de base, je les chie. Vas-y. Mais moi c'est bizarre, c'est parce que là j'ai eu zéro freeze depuis. Non mais moi j'ai que ça là, moi j'ai que ça là. Bah c'est bizarre. Parce que moi là j'en ai eu zéro. Par contre, si vous pouvez arrêter de me troll là, les insectes un peu. Oh oui. Il est ignoble. Il est ignoble. Je vais passer mon hiver à ça. Toi, t'es pas obligé, hein. Ah, si, si, si. Si, si, je suis totalement obligé. Bon, bon, hein, voilà. Ça, c'est fait. Je suis en train d'exploser de l'intérieur. Mais il faut pas s'énerver, je pense que c'est ça aussi. Oh, mais là, j'ai acheté un apport pour voir si ça va mieux dans mon... Parce que moi, j'ai pas encore accès à tous les apports et... En plus, comme on a pris la quête du... des insectes... Mm-hmm.
ça par contre c'est un peu du troll ce qu'ils m'ont fait. Oui bah venez les mouches volantes là. Ah ça y est, j'ai eu un petit freeze mais ça va. En même temps, je fais du cuivre. Non, le freeze, merde, putain. Ouais, je vais l'avoir aussi en même temps. Mais vas-y, là, ça fait 2 heures dans le jeu que j'ai des poissons de merde. Zéro freeze, et quand j'en ai un, c'est le poisson légendaire, hein. Oh, c'est bizarre, ça. Je le déteste. Bah, 3/4 encore. Hein. Non mais... Ah non mais si c'est ça la strat, mais vas-y, mais comment tu veux anticiper ça? Mais comment tu veux anticiper ça? Mais what? Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ah bah tiens, t'as une déco. Alors? Allô? Amaury? Ah? Ah! D'accord. C'est pas Maury qui a une déco, c'est moi? Ok. Ben voilà, j'ai ma coque à planter. Parfait. Parfait, ça! Voilà. Bon, bah, des bisous, YouTube. Je reviens le plus vite possible. Re-YouTube. Bon, comment vous dire, il y a eu un gros problème suite à la fin de la session hier soir, enfin pas suite mais pendant la session d'hier soir, gros crash de connexion, des travaux sur le réseau internet local, et du coup nous n'avons pas pu continuer l'épisode d'hier, donc évidemment on reprend la même semaine aujourd'hui, donc là finalement... On enquille, on finit juste la semaine pour finir l'épisode. Donc on doit recommencer à partir du mercredi, je crois. Oui, mercredi. Et bon, toujours ce poisson à la con. Je vais tâcher de ne pas m'énerver, même si je suis particulièrement stressé. Mais ça va aller.
Bref. Du coup, alors tu sais quand que tu l'avais acheté l'hameçon Amaury? Ben, je pense que c'était mercredi, Ah justement, non, que je suis on allé. est mardi. On est mardi, donc ok. My bad. On est mardi. C'était pas justement pendant la journée du mardi que tu l'avais acheté Je crois aussi. Ok. Bah sinon, tu sais quoi, je vais y aller. Je vais aller voir maintenant les hameçons. Oui, parce que Mais je l'ai pas. il me semble que les hameçons, genre, ça pète assez rapidement, hein. Non. Y en a. Moi, une fois, j'ai testé et j'avais mis pas mal d'appâts. C'était au bout de 150 appâts qui a pété, quoi. D'accord. Ok. Ben on verra bien. Ouais, j'ai toujours l'améthyste à donner à Émilie. Et moi, je repars pour la mine là pour faire les insectes. Il faudrait que je m'occupe de ça aussi. Alors, où est-ce que tu m'avais mis le machin à donner à Marnie là? Là, dans le coffre vert. La marrante? Oui, la marrante, c'est ça. Il en fallait qu'un seul, hein. Ok. Moi, je l'avais déjà donné, mais j'en ai mis un côté en plus au cas où. Ok, t'as l'eau du chat. C'est lui. Le coquillage. Bon, alors du coup, faut se remettre dedans. Je sais plus du tout ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire. Enfin, moi, c'était le poisson, hein, mais. Oui, toi, c'est parce que tu veux pêcher ce poisson de Ah merde. non, mais je le veux, hein. Je le veux, ce poisson de con. Et moi, je suis en train de faire la quête des insectes. Ok. C'est vrai qu'il y avait ça. Je suis déjà à 20. Ville. Alors du coup, je vais récupérer ma poubelle d'acier. Je vais lancer directement la poubelle en or. Oui, vas-y. Tu devais pas t'en occuper de ça aussi? Si. D'ailleurs, je vais la lancer demain parce que sinon je vais la zapper. Mais comme je dois faire 100, 100 viandes d'insectes et que c'est pas automatique les viandes. Oui, donc peut-être que justement ça justifie tous les lags d'hier. Hein, Ah, certainement. je sais pas, parce que bon, de toute façon, il y a tout le temps des lags dans ce jeu de merde. Mais ça y est, je suis en train de m'énerver. Faut pas s'énerver. Émilie, est-ce qu'elle va être au bar? À partir de midi, donc Émilie, rip. Bon, je vais passer à la cabane de pêcheur, je vais voir. Oui, bah oui, vas-y. Mais vraiment, je me demande en fait, hein, si en solo, je l'avais déjà pêché ce putain de poisson, parce qu'il me semble vraiment très très dur. Oui, bah je te l'ai dit, en plus hier, c'est le deuxième poisson le plus dur à pêcher après celui-là printemps, apparemment. Bah, je pense que c'est Hier, vraiment au idéal. moment où je vais réussir à le pêcher que je vais te dire si je l'avais déjà eu ou pas. Alors, Voilà. Okay. C'est mieux comme ça. Hameçon à l'heure. Hameçon à l'heure, on en a plusieurs en plus. Faudrait que je lance Alors ça. c'est ouais, l'ardillon, celui que je te parlais. Ouais, fonctionne mieux sur les poissons lents et faibles. Hein. Moi, je suis pas sûr que les. Après, t'as le plomb. T'as celui-là de plomb, comme je t'ai dit, qui empêche de faire les bons en bas. Ah non, ajoute du poids à votre jauge de pêche, l'empêchant de rebondir en bas. Ça l'empêche de re... Non, mais c'est la jauge de pêche qui. En fait, c'est la jauge qui, quand tu lâches complètement, quand, admettons, t'es en haut, quand elle arrive en bas, elle ne bump pas vers le haut. C'est tout, mais Ah, ok. c'est pas pour le poisson. Non, non, mais moi je pense qu'en fait, il n'y a aucun appât qui. Après, t'as le liège qui augmente ta taille de machin. On va tester le liège. Parce que je suis vraiment pas convaincu que les appâts, ça soit utile pour les.
pour les poissons légendaires. Oh, attends, il y a une, y a un baril avec un point d'interrogation à l'intérieur. Oui, c'est pour les viandes d'insectes. D'accord. Oh oui, vas-y, il faut que je reste là. Bon. L'event de... Poisson de ses morts, à nous deux. Faudrait que je me mette la musique de... Faudrait que je me mette la musique de Doom pour ce poisson de merde. J'avoue. Mais ça, c'est peut-être ça qui va se passer, hein, je te le dis. Oh, mais Marnie qui est pas là, bon, au secours. Allez. Alors. Ok. Je suis à 35. Bon, 35 sur 100, on est que mardi, c'est OP, hein. Mais c'est parce qu'en plus j'ai eu de la chance, j'ai eu du. J'ai eu un event là des. Où il y a plein de abeilles là. Ok. Les mythes. Ouais, les mythes volantes. Le petit event comme ça. Je... Bon, voyons voir. Oui. Ah bah direct. MDR. Voilà. Ça commence bien. Oh oui. J'ai l'impression que ça mord moins. Ah. Ok. Après, il y a un appât aussi qui permet d'avoir plus de trésors, mais apparemment les poissons sont pas très friendly dessus là. Oui, je l'ai vu. C'est le truc pirate apparemment. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Par contre, j'ai l'impression que ma jauge du coup est plus lente. Oh putain. Prends du cuivre aussi, hein. Oh non, pas de lag. En fait, il a un pattern de troll. C'est oui. C'est space à dire, mais en fait il y a vraiment des phases où quand il bouge dans tous les sens, il faut que tu sois en mode bas les couilles et tu te mets à un endroit précis et il reviendra là. Ou alors t'as la méthode de faire bumper la jauge, mais c'est infect. Je me suis même dit, limite, s'entraîner à faire bumper la jauge sur des poissons nuls, tu vois. Pour essayer, tu sais, d'avoir des réflexes de rattrapage. Oh. Ok. Bah... Ouais, ouais, ouais. C'est ça, hein. C'est vraiment le faire bumper pour... en fait, là, vraiment, je vais essayer de vraiment pas m'énerver, de comprendre. Parce qu'il a plusieurs patterns oui, différents. Oui, oui. Faut pas t'énerver, en fait, c'est ça. Il y a un des patterns particulièrement que hier soir, je commençais à piger. Et c'était dur, mais je commençais à comprendre. Il y en a d'autres, par contre, je comprends pas du tout. Hein. Putain, mais j'ai l'impression qu'elle galère vachement plus à monter du coup la jauge vu qu'elle est plus grande. Peut-être l'enlever là-bas. Comparer.
Bon, plus apparemment, c'est selon ton niveau, donc. Mec, j'étais à deux doigts. Je l'ai là depuis. Quand je t'ai dit mec, j'étais en train de le chatouiller et ça, j'ai tenu. Hein. Et j'étais vraiment à deux doigts. Oh bah. Mais il y a un moment donné où il a fait que bouger. Je suis resté juste en haut et il est revenu. Et la strat a tenu et c'est juste après que ça s'est parti en couille, mais. Et t'approches du but. Alors, je vais stocker ça. Je l'ai. Oh, GG! Et je l'avais déjà pêché. Je l'avais déjà pêché ce poisson de merde là. Je l'ai. Ah bah GG. Mais je pense que je suis tombé sur le pattern le plus simple là pour le réussir à l'avoir. Les autres patterns où il bouge dans tous les sens, vraiment. J'aurais pas pu l'avoir. Mais en fait, bah, souvent, en fait au lieu, côté. Au lieu de vouloir impérativement le suivre, vraiment, il y a des fois quand il bougeait, je ne bougeais pas, j'attendais de voir ses mouvements. Et bon, ça tient un peu de la luck au départ parce que je connais pas le pattern par cœur. Et surtout que là, je connaissais pas du tout le pattern parce que c'est tout le temps différent. Mais. Oui. En ne cherchant pas forcément à le suivre, bah, en fait, ça marchait mieux que. Que ce que je faisais avant. Bah tiens, du coup, si tu veux le voir, je te le mets là. Mais je l'avais déjà eu. Par contre, il est que en qualité argent. Je suis dégoûté. Ouais, il est beau. Mais en plus, on va avoir un aquarium. On pourra les mettre dedans. Ah ouais? Oui. Ah, stylé. Bon, par contre, le gold, ça commence à. Ah, au pire, je referai un peu de gold vite fait. Bah, moi, de toute façon, j'ai pêché le fameux poisson, donc maintenant, Osef, tu vois, je peux les miner. Ouais, c'est parce que moi, là, bah, toi, au pire, tu fais du gold, moi, je cherche les insectes. Et je vais ranger ça d'ailleurs, parce que ça n'a pas d'utilité pour la mine. Merde, j'ai oublié. Attends. Elle où la viande d'insecte? Elle est là. Il nous en reste 42 à avoir. On a. Je vais être ailleurs pour les insectes. En vrai, si tu veux de l'aide. Bah, honnêtement, si on le fait demain, on est bon. Ouais, parce en que plus, toi, faut vraiment que t'ailles pêcher. Moi, si tu veux, je vais. Oui, c'est pour ça. Moi, je vais m'en occuper si tu veux, hein, de finir. Merde, quel connard. Bah, t'as la quête aussi? Normalement, oui, parce que je vois tes achievements quand t'avances. Oh, je suis passé au niveau de combat 6. Ça, c'est cool. Ah putain, ça y est, je l'ai. Ah, c'est ce que je voulais. Ouais, j'ai le l'achievement 58 sur 100, je vois. La viande d'insecte. T'es sûr que c'est pas rétroactif? Parce que là, je ah vois non, ça... parce que j'ai 114 114 trucs d'insectes sur moi. C'est pas rétroactif. Par contre, je me demande si je mets les 100
ça valide pas déjà la deuxième partie. Et qu'on a juste à... à drop les trucs. Je vais aller tester. Non, c'est senior. Bah justement, je vais aller tester. Eh merde, j'ai oublié de prendre des piles. Alors, je vais peut-être prendre un peu de bouffe. Oui, normalement, t'as des champignons. Ok, bah la deuxième partie, elle est validée. Hein. De quoi, des insectes? Ouais, on a juste à tuer des insectes pour drop de la viande. Tu t'en occupes solo? Je vais chercher du gold ou... Bah ouais, tu peux aller chercher du gold, moi je m'en occupe. Hein. Okay. Je fais les étages de 10 à 20 en boucle. Ok. Bon, je vais... Sachant que... Ah mais c'est vrai que, c'est vrai que j'étais tombé dans cette putain de grotte de merde à l'étage 99. Ah oui. C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait ça. Bon là j'ai plus de temps donc ça devrait aller. Il y a beaucoup de slime. Ah. N'hésite pas si tu veux un coup de main, tu le dis. Bah écoute, quand t'as fini, vois pas. Voilà, niveau 10. Hop. Bah dès que j'ai fini, je vais te donner un coup de main. Oh, on a un jour de chance. Putain, la musique là. C'est vrai que ça, ils devraient mettre plus souvent la musique. Ouais. Il me prend un peu là, le jeu. Ah, ce putain de poisson, je suis content de l'avoir pêché, tu vois. Une bonne chose de faite. Ouais, déjà un mois. Non, mais hier, c'était vraiment pas mon jour, je pense. Hein. Juste ça. Hein. Parce que hier, même les poissons sauvages, genre, il y en a un sur deux que je chiais. Et j'ai encore une liste de de cadeaux à offrir pour les gens, moi. Par contre, c'est un peu du troll, j'ai pas beaucoup d'insectes. Hein. Niveau minerai, le taux de drop est pas ouf. Hein. Bon, je suis à 98. Je vais bouffer ça. Ah, t'as 98, c'est bien ça. Ouais, mais bon, si c'est le même troll que la dernière fois à 99, bah je vais péter tous les cailloux à partir de maintenant, en fait. J'ai une bombe et une méga bombe. Oh!
pire, si tu vois qu'à 99, tu galères, tu utilises la bombe. Pas la méga bombe et la Non. bombe. Trop important à stocker. Tu l'as, et du coup, tu l'avais crafté le silo ou justement c'était le jour du bug? Non, normalement il est déjà là, le silo 1. Ok. J'allais voir, mais normalement il est là. Pour plus. Ah, la musique. Toujours plus. J'ai l'impression que ça bonjour pour les loot, mais en termes de mob, j'ai pas grand chose quoi. J'en avais beaucoup plus hier quoi. Les carottes c'est important. Les fragments d'os, on s'en fout. Hein. Non, les fragments d'os, faut les mettre de côté un peu. Dommage. Oh, par contre, niveau loot, on est. Moi, j'ai pas mal de chance aujourd'hui. Hein. Ouais. Ah, une note. Alors, la note, je vais la lire maintenant. Pièce encore nécessaire pour ma plus grande invention, lingot d'or, lingot d'iridium, tout un paquet de batteries, diamants, fraises, c'est marrou. En gros, ah, oui, c'est ce en gros, elle kiffe ça, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, du coup, je serais très curieux de voir sa storyline. Parce que je suppose que, bah, du coup, si tu développes son affect, tu prends connaissance de son invention. Oui, enfin, moi, je les ai toutes faites. Ok. Avec les filles. Oh putain, avec les filles. Ouais, toutes. Oui, parce que t'as un événement, si t'arrives à. Alors, comment expliquer? Il faut que tu viennes à la mine level 100. Oui, je sais, le fruit étoilé, bah je vais dire. Vas-y, je continue un peu. Ah oui, en plus, ça m'a remis full stamina, n'importe quoi. Oh, bien ça. Ah, donc j'aurais dit limite ne même pas le ramasser. C'est quoi, on va péter des cailloux, hein? Bah ça augmente le métier en même temps, donc oui. Bah c'est ça. Je me dis, tant qu'à faire, autant niquer la stamina. C'est jamais un petit géode. Bah moi là j'ai 10 jets de base. Ok. Bah ah oui, moi j'ai mis la poubelle 50. En or. Mais du coup dans 59 le minerai. Niveau gold moi ouais 31, c'est pas ouf. Après j'ai traîné un peu. J'en ai marre, j'ai trop de trucs. Ah, les champignons rouges ça dégage. Hop. Oui, les champignons rouges pour l'instant. Tant qu'on n'a pas des champignons violets en masse. Ouh, un diamant. Je suis que 102 hein, si jamais. Ah bah je veux venir hein. Bah écoute, je t'attends au 102, tu vas ramasser le diamant. Ouais. Oh j'ai. Oh j'ai de l'or ici moi. Je suis à 101, ça arrive. Quand t'arrives à 102, gauche toute. Ok, bah ouais. Je suis là, j'arrive. Là. Tu le vois? Yes. Oh ouais, j'ai vu. J'ai ramassé le diamant.
Normalement les cailloux rouges ils donnent un peu plus de... Ouais tu m'avais dit, oh une note. Tu la vois la note ou pas? Ouais. Vas-y prends-la. Ah je sais c'est quoi. Oulala. Viens. Ah bah j'arrive, attends. Ah oui c'est le bordel. Bon en vrai c'était gérable hein, mais bon, on sait jamais. Non mais en plus c'est les derniers niveaux donc à partir de maintenant, comme on a débloqué le niveau 100, tous les étages depuis les 0 à maintenant, les loots sont multipliés et tout. Ok. Oh, super. Tiens, tu vois. En plus, ça fait monter notre métier, donc... Bah là, de toute façon, vu l'heure... Oula, oula, oula. Oui, c'est pas un caillou, c'est un mob. Non, non, mais le pire, c'est que j'ai même pas regardé, en fait. C'est genre, j'ai tapé et je me suis retourné, mais genre, mon regard est parti ailleurs. Bah, regarde, là, j'ai une gemme que je peux pas prendre, moi. Hop, là. Est-ce que tu penses que c'est gérable de... Bah, on peut encore faire. De reach le 105, là, vite fait, là. Je pense qu'on peut... Ouais, on peut reach le 105, vite fait, hein. Non oui, là il faut. Ça c'est fait. Allez, on se casse. Ah oui, ça va. On se casse, on se casse. Ah, la barre d'énergie qui est un peu plus grande, ça fait plaisir. Mais pourquoi je suis en ville? Ah oui, ça fait plaisir. Elle dépasse légèrement la barre de santé, moi, ma barre d'énergie. Attends, je lance de l'or. Hein. Oh oui, mais moi de sa forme, là, je te dépasse tout le... Le quartz, je te le mets où? Ouais, je le mets là. Au-dessus, là. Il est au-dessus. Le quartz. Et j'avais du quartz rouge un jour dans ma vie, oui. Là. Alors. Là. Donc tu penses à ta poubelle, hein. Moi justement demain je vais la lancer. Par contre j'ai rangé tout de suite tes bombes. Ouais, les géodes, je les mets de côté. Oh, j'ai trop de merdasse sur moi, quel enfer. Bah, tu te liras demain. On a 5 graines anciennes. Oh, ça, c'est bien. Hop, il y a des carottes. Voilà. Ouais, pas mal. Ouais, on est vraiment pas mal, là. En plus, niveau la quête, là, il nous manque plus grand chose. Oh, je suis niveau 7. En quoi? En combat? Non, en. Mine. Ok. Ah oui, maintenant je peux transmuter le fer en or. Il me semble que ça, c'est vraiment pas opti, hein, la transmutation. Non, c'est pas opti. Ah, ma poubelle est prête. Bah, tu sais quoi, je vais m'occuper des géodes. Oui, bah vas-y. Hein. Bref, en attendant, j'aurais dû faire du cuivre. Bref. Ah ouais, on a v'là le cuivre. En fait, faut plus favoriser le fer pour équilibrer les stocks. Parce que là, le cuivre, c'est n'importe quoi. Oui. Bah ouais, le fer et l'or. Bon, bah je ramasse plus le... Je ramasse plus le cuir. Pas le cuivre et... Dès que je peux, je vais faire du fer. T'as un truc avec le cuir, toi. Ouais. Non, c'est parce que quand je parle du cuivre, c'est... J'entends, tu sais, Bob Lennon avec cuivre, cuivre, qui a moustache. Ce let's play m'a... J'ai split Skyrim, mais il m'a marqué, ah, moi, quoi. C'était le masque, là, dans The Witcher. Ça me faisait tellement délirer. Parce que son let's play là, de The Witcher 3. Il est tellement quoi. Ok, il y a des vers de terre juste à gauche de ta maison. Ah, bah j'y vais. Où est-ce que t'as mis le coffre des ressources de monstres?
Bah avec les ressources en général. Là où tu l'avais mis en haut. Avec les cartes de survie. Ah d'accord. Comme ça moi je sais que tout est là-bas. Et tu ne le rappelleras pas. Ok. Ah, par contre il y a des algues là-dedans. Oui, il va falloir que je les dégage. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Okay. Par contre, pourquoi il y a des engrais de qualité alors qu'elles sont en bas les engrais de qualité? Il va falloir que je regarde. Et nous, et moi, il me manque que. Enfin, il nous manque que 30 viandes d'insectes. Ok, bon, je peux t'aider. Hein. Juste que je m'occupe de toutes les géodes là. Il y en a masse. Ah oui, j'avais mis ça là-dedans comme un sac. Au forgeron faire la poubelle. Voilà. Hop. Bon, faudrait que je récupère ça. C'est vrai que j'avais déposé ça en freestyle dans le coffre en mode putain j'en ai marre. Ok, là, ville. Je vais voir à la carrière si on a pas des trucs. La poubelle en or. Uniquement disponible chez Jiffy. Okay. Oh, 6 minerais d'iridium dans une géodome. Oh non, bien. Je me suis étouffé sur le coup. Oh, ça nous fait un lago en plus. Ah, j'ai vu l'iridium, je me suis à moitié étouffé. Ça c'est qu'on a deux lagos. Oh, j'ai les têtes. Oh non, ok. Eh, mais j'avoue que le stock de géodes c'est n'importe quoi là. J'avais pas capté que y avait 17 géodes normales. Ah mais j'en ai ramené 10 hier donc. Ok, on peut pas. Que c'est long. Ouais, je suis pas sûr d'avoir le temps de t'aider. Oh non, mais t'inquiète. Moi, je continue. Ouf, et ben j'avais pile poil la place. Oui. Par curiosité, ça vaut combien? Ah oui, c'est 100 balles le minerai d'iridium, d'accord. Oui, c'est assez cher. Hein. Mais bon, on en a besoin. Oui. Ça, c'est les futurs outils, quoi. Ah non, je suis pas assez con pour vendre l'iridium. Peut-être pas. Bah, dis-toi où j'en suis arrivé à un stade où moi, j'en ai tellement que je sais plus quoi en foutre. Et encore, c'est parce que j'ai plus assez charbon. Faut que je passe par la maison, que je mette tout ça de côté. Oh, vas-y, t'inquiète. Ah, le train qui passe par Stardew Valley. Bah, que d'ailleurs, dit qu'il... Oui, il me semble qu'en période d'hiver, ouais, il y a un délire de cadeaux, mais je crois que dans peu importe la saison, quand il va, je crois qu'il y a masse drop de charbon. Il me semble que c'est ça le délire avec le train. Ah, bah ça t'intéresse ça. Ah mais non, mais en fait il nous manque juste un minerai d'iridium et on a encore un autre lingot derrière. Oh non. Mais je pense que tout ça fond après la quête. En fait à partir du niveau 100 là dans la mine où on est. Du niveau 100 à 120, tu peux trouver de l'iridium. Ouais mais c'est très rare, il me semble. Hein. Bah vu que nos chances sont doublées maintenant dans la mine avec le machin. J'aurai pas le temps.
Par contre, j'aimerais que j'arrête de me troll un peu là. Au niveau 16 au cas où. Ouais. Et ok, je suis tombé dans. Je dois tuer tous les mobs, mais c'est que du slime. J'aurais préféré des insectes. Ah mais là je mets un peu à jour Oui, vas-y, vas-y. les inventaires, etc. Par contre les résines, je sais absolument pas où tu les as rangées, du coup j'ai foutu ça dans un coffre au pif, mais Je regarderai au pire, t'inquiète. La masse squelettique, ouais. bon, il y avait ça qui traînait. Du coup, bah, je peux venir vite fait à la mine. T'es passé par la carrière? Ouais, y a rien de folichon. Il reste encore de la viande d'insecte à looter, c'est ça? Oui, précisément, Wow, bah je même. me tape un. Wow, putain! Oh là. Et je suis à l'étage 11. Mais Ah quel oui, c'est enfer! le. Oui, j'ai eu le même coup, fais gaffe. Oh, une épée noire! Comment ça? Comment Ouais, ça, fais une gaffe à épée? toi. Comment ça, une épée Une noire? épée noire. Niveau 9. Oh! Oh là. Moins 5 vitesse, plus 2 chances critiques, plus 5 poids. Et avec quoi? Avec Vampirique? Oh! À chaque fois que tu touches un Ouais, monstre, par contre, elle est lente. ça te gêne. Elle est très lente. Ah. Wow, c'est le pire bail. Ah oui, fais gaffe. Ah. Oh non, non. J'ai pas l'impression que je régène, hein. Ou c'est quand tu tues, je sais pas. Bah, même en tuant, j'ai pas l'impression. Je passe à l'obsidienne là, parce que ça pue un peu du cul. Oui. Ah, ça, l'obsidienne, voilà. Soigne-toi un peu parce que Ouais, j'ai ouais, pris ouais, cher à ce ouais. niveau. On va manger un petit peu. Ouais, moi aussi, j'ai pris cher à ce niveau. Je m'entendais pas à tomber. Là-dessus, quoi. Putain. Putain, mais genre le drop de ouf, quoi. Bon, après, elle est très lente, hein. Oui. Je sais Mais on pas. peut la mettre de côté, hein. Sais pas si ça vaut vraiment le coup de jouer avec. En fait. Voilà, moi je veux pas en dire plus, mais je sais qu'on peut la jouer avec plus tard. Mais tu l'avais déjà eu? Non, pas celle-là, tu vois. Mais voilà, moi j'ai l'épée, je peux pas dire parce que c'est ça troll. Non mais là faut que je la teste contre des vrais ennemis parce que là c'était genre des spectres donc ça se trouve c'est pour ça que je j'avais pas de régène. Oh putain, j'ai encore une salle de spectre. Mais je crois que je vais faire un aller-retour entre le 10 et le 20 parce que là je suis retourné au 20. Bon après, elle fait v'là les dégâts en Tu veux pas. comparaison, je crois. Faudrait que je regarde les stats, mais je crois qu'elle fait beaucoup plus de dégâts. Ah, après, peut-être que Vampirique, c'est pour la stamina. Non, vampirique, je pense que c'est pour la santé, mais je suis pas sûr, tu vois. Ouais, mais je trouve ma stamina très haute par rapport à ce que j'ai fait. Faut vraiment que je regarde les deux jauges. Quand je tape.
Mais... 21h40, hein. Ouais, bah, de toute façon, moi, je vais remonter, là. Bon, j'ai eu 3 viandes. On en est à 79. Et il nous reste 4 jours, bon, c'est okay. Normal, quoi. Ah, j'ai une note. Si demain, le jeu nous troll pas, on les a, quoi. Parce que je pense qu'il nous a un peu troll aujourd'hui. Bon, bah, hop. Encore des... Ah, je t'attends les insectes. Putain. Allez, venez là. Encore des géodes. T'avais toutes ces viandes d'insectes qu'on ne pourra pas convertir en appât. Si. C'est bon, on pourra les convertir. Bah, il veut pas. Faut pas lui donner. Bah, ça, je les ai déjà donné celle-là. Mais il nous en manque toujours 29 à drop. Enfin, 84, donc 16. Ok. Ouais, du coup, attends, je regarde vite fait les deux épées. 30-45 de dégâts. Ah, c'est les mêmes dégâts que la lame d'obsidienne. Donc, ouais, non, ça vaut pas le coup de jouer avec. Oui, mais c'est parce que voilà, je. Putain. Je fais gaffe à l'heure. On les met de côté et puis on verra bien. Voilà. Et les viandes d'insectes, tu les mets où? Bah, pour l'instant, je les ai sur moi, mais on peut les stocker vite fait. Hein. On peut les mettre avec les. En haut, mais on les mettra demain. Oh oui, t'as deux notes secrètes en plus. Oui. Ah mais j'en loot beaucoup, j'ai l'impression. Oui, bah moi aussi. En plus, j'ai eu la quête pour... Oui. Quoi, oui. Le sorcier. J'ai perdu la divination de l'ombre, j'ai besoin d'un objet connu sous le nom de l'essence du vide. Ah, je l'ai aussi du coup. Oui, tu l'as aussi et on en note ça. Voilà, j'en ai pris une. Donc faut aller voir le sorcier. Yes. Bon attends, du coup je vais ranger les stocks. Les viandes d'insectes, bah tu sais quoi, je te les mets dans les ressources, hein. Pareil. Oui, oui, vas-y. Gourdin de bois, c'est de la merde. Que je regarde un peu les plantations là, d'arbres. Bah, on va pouvoir en faire masse. Des tonneaux. Ah bah ouais, il faut qu'on fasse des seigneurs après quoi. Faut que je me penche sur la disposition des tonneaux d'ailleurs. Parce que alors... ça y est, là, toutes les arbres ils sont poussés en bas à droite. Hein. Ah, j'ai l'endroit d'un trésor et c'est au désert. Putain, faut que j'y aille du coup. Ah. Bon, okay. On va donner ça, puis ouais, tu joues au désert. Liste de cours de Sam, ceux que tout le monde adore. Sébastien, l'arme gelée, sashimi, Penny, émeraude, pavot, Vincent, raisin, bonbon, canneberge. Maman, Achigan, croustillant, pancake. Papa, risotto, noisette grillée, moi, cactus, gâteau, les rats, pizza. Oh, comme moi, la pizza. Quoi aujourd'hui le... Oh, il joue rien de beau. Joseph. Bon, du coup, direction sorcier, quoi. Oui, bah moi, je suis déjà... Mais je vais essayer de valider mes trois quêtes, hein. Marnie, sorcier et... Ah, oh, putain, il va le temps. Voilà. Ah, il m'a donné 1000 gold.
Et là, il va falloir qu'une fois la quête finie, je m'attaque à mettre tous les seigneurs en route là. Parce que. On va pouvoir faire la masse de tonneaux là. Une fois qu'il sera rentré. 80K, il nous manque 16 viandes d'insectes. Ouais. Ouais, c'est rien du tout. Je pense qu'un aller-retour, c'est fini. Si le jeu ne me troll pas trop aujourd'hui. Et du coup, ces quêtes-là, une fois qu'on les fait une fois, on a débloqué le schéma et on n'aura plus cette quête. Oui. Alors, il y en a qui sont répétables. Mais t'auras plus le schéma, quoi. T'auras juste de l'argent en plus. Ok. Et ça rapporte bien ou... Ouais, des fois ça rapporte 5 000, 10 000, 15 000. Tout dépend de la quête répétable, quoi. Bon, le temps que j'arrive au bar. Raymond Barre. Il faut attendre midi en plus. Ouais, il faut pas avant midi. Eh, Emily, elle y est à midi ou pas? Enfin, je pense. Après, je sais qu'elle est plus. Elle est plus tard le soir. Abby qui veut une topaze pour 240 balles. En plus, on en a ça. Ouais. Abyssé. Abigail, non? Alors, c'est ouvert, mais il n'y a personne. Abby. Il n'y a Oui, que. Abigail, donc la fille de Pierre. Alors, il n'y a que le barman, hein. Il n'y a pas. Bah, elle doit être chez elle. Essaye de voir chez elle en bas. Elle est peut-être plus dans sa chambre. C'est où chez elle? Ah oui, non mais oui, non mais c'est bon, oui. Avec le soleil, oui. Bah. C'est vrai. Il devrait mettre deux capsules corp, voilà. Il fallait pas retourner parler à Clint, du coup, par rapport à cette quête. Bah, il faut qu'on la valide. Et on n'est pas loin de la. Je suis pas loin de la valider là, justement. Non, mais par rapport à l'améthyste qu'on donne à Emily. C'est Clint Ah, qui nous demande de faire ça. Parce que là, je viens de lui parler, il me oui. dit rien. Ah, peut-être, ouais, il fallait lui reparler alors, peut-être. Bah, je sais pas, j'ai essayé de lui parler, il me dit rien. Voilà. Oh, Jack, ça suffit. Ok, on a encore un peu de chance. Oh, il m'en manque 6. De quoi, viande d'insecte? Ouais. Je suis en train d'en. Ah, j'en ai ramassé aussi. Oh, mais zut! Oh! Que t'es relou! Putain, mais il miaule pour. Et vraiment, il miaule juste pour que je le regarde, quoi, mais vraiment! Ça y est. Trop mis de PO. Je sais pas ce que Allez, j'ai pas. réglé. Ah, je peux la valider aussi. Bon, désolé, hein, parce que là, le chat. Non, non, t'inquiète.
Ah non, mais il me rend ouf. Il fait exprès, quoi. Ça, en vrai, si je streamais pas que j'étais que genre j'étais couché comme une merde, il ferait rien, quoi. Il dirait rien. Juste, il aime pas que j'ai une vie, quoi. J'ai juste avancé de... Ah bah, voilà, j'allais dire, j'ai juste avancé ici, quoi. Attends, je vais essayer de... Hop. Ah, j'ai une jade. Oh non, le lag. Ah mais quand tu lag, il peut pas te taper. Je l'ai vu débiliser devant toi à te regarder. Ah. Le Batman. Je peux plus les prendre, je peux pas les prendre. Bah moi non plus. Attends, je vais essayer de faire ma place. Oh là, c'est bon. Sachant qu'on a... On a l'échelle en haut. Tu saoules, hein, vraiment. Ah non, mais Non, tu dégages, t'as pas le droit à la couverture. Attends, tu me casses les couilles depuis tout à l'heure, là. Attends, t'as rêvé, là. Hein. Ah, c'est trop facile. Ah non, mais ça c'est. C'est terrible. Hein. Bah, heureusement que je fais plus trop de contenus principaux le soir. Hein, parce que vraiment, je viendrai taré. Hein. Et le pire, c'est que quand on aura déménagé, je sais pas si... Enfin, normalement, si j'ai un bureau, si tout va bien que j'ai un bureau, je sais pas en fait si je m'enferme dans le bureau ou si je le laisse free access quand je suis dedans. Tu vois ? Quand je stream, tu vois ? Parce que si je m'enferme, mais il va hurler à la mort derrière la porte. Oh, tu peux pas prendre la jade ? Ah non, là je suis fou là. Sauf que si je le laisse rentrer, bah du coup quand je vais fermer la porte, parce que je suis pas dedans et que j'ai pas envie qu'il y rentre, et bah il va me péter les couilles aussi. Oui, ça va. Dur choix. Oh, y a un pain. Non mais c'est chiant là, j'ai trop de... Ouais, mais moi aussi, de ce fond, j'ai trop de... Wow. Bon, les pains étranges, là... YOLO. Mais c'est pareil, là, j'ai encore une graine ancienne. Hein. Oh, bah... Oh là là. Ruby. Ruby plus cher que le match. Faut qu'on fasse gaffe sur toi l'heure, quoi. Ouais. Ah, champignon violet en bas. Et du charbon. Ça, champignon violet, c'est trois portages qu'on peut prendre. Bon, par contre, ça y est, c'est le troll de l'échelle. Oui, c'est un peu le troll de l'échelle, là. Surtout qu'il va être 23h, alors... Je vais en faire.
Non mais vraiment. Non mais sérieux? Ouais c'est bon, vas-y vas-y. On va pas faire la merde que j'ai fait la dernière fois. Oui 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 oui, on va pas risquer de perdre tout ce qu'on a. Balèle en plus échelle. On est débile. Ah tu veux tenter quand même? Non non non. Oh l'enfer. Oui. T'as pensé à faire ta poubelle? Oui. Normalement, je l'ai demain là, justement. Alors, je dépose vite fait. Bon, bref, et je ferai le reste demain. Oh mais je sais pourquoi il me fait chier le chat en fait. C'est parce que ça fait un moment, Ah. j'ai plus de. Vu que je bois. Vu que maintenant j'ai une machine soda stream. Eh bien du coup, Ah oui. je n'ai plus de bouteille en plastique. Non mais on dirait vraiment la promo du truc, mais c'est une réalité. Vu que j'ai soda stream, je n'ai plus de bouteille en plastique. Et mon chat, à la base, il sait pertinemment qu'une bouteille en plastique, c'est une arme. Et c'est une arme de lancer. Sauf que grâce à SodaStream, mon chat n'est plus en danger des bouteilles en plastique. Une bouteille volante non identifiée. Ah, ça a été au même niveau que moi en termes De de combat, ouais. combat. Par contre, c'est bien parce qu'on est à 6 graines anciennes. Ça, c'est bien. Ah, le charbon, ça va, on en a 177. Ouais. Ah, au fait, les tiens, les morceaux d'insectes, je te les mets là. Oui, vas-y. Par contre, là, ce qu'il nous faut, c'est du. Est-ce qu'on a beaucoup de. Ok. Bah, j'ai pris tous les lingots de bronze là. Pourquoi faire? Il faut que je commence à poser les seigneurs. Non, mais t'as pas besoin d'autant. Ah oui, c'est parce que t'as pas vu ce que j'ai fait en bas. Non, mais si, j'ai vu vite fait, mais t'as pas besoin d'autant pour prod pour les tonneaux. C'est du gâchis. Ben. Oui, non. Par contre, il faut que je sais c'est lesquels, quoi. Il nous fallait quoi? C'était le chêne, c'est ça? Je sais plus. Ouais, chêne. Ok. Bah, je vais prendre les seigneurs ici. Comme ça, ces arbres-là, on pourra les abattre pour faire le gros champ. Bah du coup je vais je vais continuer la mine. Hein. Mais en plus, on n'est pas loin du niveau Bah du niveau max, 120. mais il nous faut. Ah mais merde, oui non, attends, je vais aller au désert pour le trésor. Oui. Ouais, il me faut là où du coup? Il me faut là où? Oui. Par contre, je génère une quantité de. Presque chaud de faire la houe d'or. Hein. Oh. Génère une quantité de graines. 500 balles! Comment ça, quand il y a un chauffeur de bus, elle arrive quand? À 9h. Mais il est 9h50. Ah. Bah, elle devrait être là. La rip, hein.
Ouh, le slime jaune. Que tu es vilain. Ouf, ouf. Putain, mais j'avoue que là, les sbires noirs là, ils donnent des petits pains à foison là. Mais c'est bien, en plus c'est de la gratuite ça, donc c'est ouf. On a 6 rangées de seigneurs de chaque. D'accord, mais vraiment je vois pas l'intérêt mec. Ah si, à un moment donné il va nous falloir beaucoup de choses. Surtout la résine de tout. Je suis tombé sur une salle plein de champignons. Oh, ça c'est cool. Inventaire plein. Mais il nous reste des lingots de bronze, t'inquiète pas. Mais c'est quoi ce bordel là? Encre de calamar, d'accord. Oui, j'en ai eu, je sais pas encore à quoi ça sert, même dans ma partie. Et j'en ai pas mal, je pense que ça doit servir à un truc, mais je sais pas encore quoi. Je vais relancer de l'or. Non mais... L'upgrade du sac coûte combien? 10 000. Ce qui est rien du tout, hein. Honnêtement, ouais, j'ai méga freeze là. Oui, tout simplement, je pense qu'il y a eu un crash. Non, ça va. Je vais aussi à méga freeze. T'inquiète pas. Bah, allez, là, la chauffeuse. C'est sûr qu'elle arrive pas genre à midi, une connerie comme ça. Ah non, normalement, elle est là pour 9h, 9h30, quoi. Il me semblait que c'est ça qui me faisait péter les plombs, c'est que tu pouvais pas prendre le bus avant une certaine heure. Du coup, ça limitait un peu l'explo. Oui. Mais c'est pour ça que... après, t'as les totems et tout. Non mais 10 000, je trouve ça cher. Hein. Vu l'argent qu'on a, vu comment on doit bourrer pour printemps-été. Oui. Arrivé à l'été, une fois qu'on aura notre première fournée de maïs, là je dis pas. Oui. Mais bah maïs et le melon, oui, ça va être on va te blinder. Surtout la taille du champ, quoi. Bah c'est ça. T'es à quel niveau là? Là je suis à 108. Bah, je vais attendre que t'aies à 110, comme ça je te donne beaucoup de mal. C'est mal barré, hein, je te le dis. Oh. Je trouvais de bonnes choses en cherchant dans les poubelles durant mes jours de chance. Parfois on peut trouver le plat du jour derrière le saloon, généralement encore frais. Pour le dessert, je cherche dans la poubelle de Mull Nurse pour avoir des cookies. Trésor, vérifier les poubelles chez le forgeron et au musée. Ah ouais, ok. Donc en gros, en fouillant les poubelles musée forge, on peut trouver des trésors. C'est ouf. J'avais oublié. On peut parler aux nains maintenant, c'est vrai. Et lui, il va en épouvantail. Il m'en manque plus qu'un. Moi, dans les notes, j'ai eu la quête pour avoir le casino.
La quête de Monsieur Chi? Oui. Bah, c'est pas comme ça qu'on la loupe, normalement. Si, note secrète 22. Ah, mais moi, la quête de Monsieur Chi, je l'avais pas comme ça. Hein. Moi, la quête de Monsieur Chi, je l'avais quand je réparais la lumière du bus. Ah non, en fait, ça a été changé. Je crois que c'était comme ça. Bah, demain, tu peux voir les notes que t'as. Bah, on regardera après. Une fois que tu seras à 110, là. Dans collection, tout en bas, t'as. En dessous des lettres, t'as une note secrète et c'est la 22. Moi, je l'ai déclenché. J'étais mettre la. Je l'ai pas la 22. La pile dans le tunnel. Bah, en minant et en combattant, tu dois le trouver. Hein. Ah, t'as 110 ça. Non, 109. 109. Il faut que je tue. Tous en plus, les c'est une zone. C'est zone de combat, donc ça va aller vite. Ouais, si je suis pas de la merde. Bon! Apparu en haut. 110. Botte de l'espace. Oui, ça c'est ultra important ces bottes. Petit bâtard. Clodo de l'espace. Ok. La faire en mode troll, mais bon. L'échelle, elle est là. Mais on prend les géodes. T'as la stamina, maintenant, elle galère à réduire. Hein. Ah oui. En plus, comme on est assez haut, plus on est haut level, et plus on aura... plus la stamina descendra moins. Et en plus on n'a pas encore beaucoup de fruits étoilés, tu sais. Okay. J'ai une échelle là si jamais. Oui mais on essaie de trouver un peu d'or quand même. Bah de toute façon vu l'heure... Oui de toute façon on va pas tarder à remonter. Hein. Vraiment, vous deux là, mais vous êtes terribles, hein. Mais j'ai tellement hâte de déménager, d'avoir un bureau juste pour. Ah, j'ai fait 100 000 pas. Pour qu'on me foute la paix quand je fais mes streams et mes enregistrements. Bon, allez. Si on rush, 23 si on rush le niveau là, on peut, hein. Non. Mais bon, pas de risque. J'ai relancé de l'or en partant. Ok. J'ai déposé tout ce que j'avais mis de côté, là, les minerais et compagnie.
Ah, putain, vraiment. Mais quoi? Oh, mais quel enfer! Hop. Non, non, je débilise pas, c'est faux. les champignons, tu les veux où? Bah, tu les mets dans les coffres à bouffe, au pire. J'en ai ramassé pas mal. Putain, mais le chat, tu casses tellement les couilles, il fait froid maintenant. Il a ouvert la fenêtre, ce con. Il sait qu'il a pas le droit en plus. Ah. Il attend que justement j'ai mon attention qui. Putain, je vais la fermer. Si vous me saoulez. Villa Matou. Ah oui, demain les marchands itinérants, ça faut pas les louper. Ah, le temps qu'ils font perdre ces cons, je te jure. Et pour tout, on a 142 engrais de qualité. Combien, 142? Ouais. Ouais. On avait quand même l'objectif d'en faire... 200. Plus. Bah, on avait dit 500, mais pour finir, on s'est dit... Oui, c'est vrai bon, que pour tester, 200, c'était bien. Mais bon. Voilà, on voulait tester. Au point où on en est, je pense, on peut essayer d'en faire le plus possible. Bah, j'utilise les poissons en or ou pas? Non, pour l'instant non. Mais c'est vrai que, bon, tu devrais pêcher, tu pêches pas trop. Oui. Là, je vais aller pêcher parce qu'on arrive à un terme où on devait faire le... Ah. Merde, il est où? Il est dans mon coffre. On devait faire la quête du... Putain, il faut qu'on aille à la plage. Les encres de calamar, tu les as mis où? Avec les loot de monstres, donc avec les ressources. Va pêcher, Amaury. Va pêcher, oui. Je vais finir la mine. Je vais faire. Je vais pêcher. Trésor du désert, ça, le trésor du désert, ça va attendre, mec. Non, je te le dis. Oui. J'ai vraiment la flemme de perdre du temps, de faire un méga détour pour ça. Je crois. C'est pourquoi? C'est une poupée. D'accord. Et évidemment, quand je pose ma houe, je tombe que sur des vers de terre. Tout ça pour de la glaise, hein. Ouais, mais voilà, l'argile, quand même, à un moment donné, va nous en falloir. Ah ouais? Ouais. Bon, la mine. Voilà, je m'en doutais. De quoi? Je suis allé pêcher et voilà, j'ai la recette qui va me donner. Will. Parce qu'on a accompli la quête du... des viandes là. Mmh. Bah, il va nous donner une recette. Voilà, il nous a donné le flotteur de qualité. Cool. Enfin, moi je l'ai appris. Là, faut que tu ailles aussi, quoi. Bah, au pire, si tu peux le crafter. Oui. Alors. Ah oui, non, mais il faut que j'y aille avant là, la fin de la journée pour récupérer le plan. Non, ou... non. C'est quand tu veux. C'est en fait quand tu iras à la plage, tu auras la cinématique de Will en train de pêcher et. Et tu as le...
Et il t'apprend le craft. Qui D'accord. permet de faire la pâte de qualité, qui permet de faire en sorte que tes poissons sont de qualité meilleure, quoi. Effectivement, ça m'intéresse. Mais j'ai regardé en plus, il faut pas grand chose pour le craft. Il faut un lingot de cuivre, 20 sève et 5 essences solaires. Oh, j'ai plus des poissons Nerijam, t'es sérieux? Le dilemme, ça commence. Ah bah là, ouais, là, j'ai que des poissons en or et en iridium en plus. Après, on a déjà 140 engrais de qualité, nous en manque plus beaucoup pour les 200, hein. Après, c'est vrai que si ça marche bien, ça peut vraiment snowball, hein. Oui, Ça c'est vaut ça. peut-être le coup, hein. Ou alors utiliser les poissons de qualité mais qui ont le moins de valeur. Moi, si tu veux, au pire, je pourrais aller voir le marchand. Je ferai un voyage avec tous les poissons qu'on a et je comparerai les prix. Ouais, bah tout simplement, c'est simple, les iridiums, c'est ce qui vaut le plus. Oui, non mais une sardine iridium, ça vaut rien quand même, hein. Oui, voilà, mais par rapport à une sardine de base. Oui, mais une sardine iridium. Par rapport à la valeur d'une sardine, je peux te dire que même si elle est en iridium, au pire, on peut la claquer pour les engrais, hein. Mais par contre, Oui, je pense les aussi. morulingues, il faut absolument pas les. Il faut absolument pas les convertir, hein. Les morulingues, ça a trop de valeur, hein. Je pense que les grands concombres de mer, c'est pareil. Faut pas y toucher. Bah attends, j'ai les prix des poissons. Ouais, l'anchois. Alors l'anchois, on pourrait largement. Si on a de l'anchois, c'est pareil, ça vaut rien. En or, elle vaut 45 pièces d'or. Ah oui. Donc en iridium, ça vaut pas plus, quoi. Le 115 a été atteint. Nice. Le saumon, il vaut pas cher. Je pêche en même temps que je regarde les prix. Tiens, les grands concombres, ça vaut. Enfin, les concombres, ça vaut combien? Donc ça a de la valeur. En or, 112. Oh, ils disent que, en fait, en normal, en argent, non, mais pas en iridium. Dans ce site-là. Mais là, t'as les prix de base en les vendant dans le coffre, pas au marchand. Et sans bonus. Je crois, attends, faut que je regarde. Bon, après, c'est pas grave, peu importe. Hein. Le plus cher restera le plus cher. Hein. Donc, Oui. ça change rien à notre prospection. Oh merde, j'ai peur ce con. Mais putain! Je vais pas me faire tuer par un putain de crabe. Ok, par contre les sturgeons ils vaut cher. Attends, c'est un poisson.
Si on arrive, on en pêcher en printemps. Mais il est en hiver aussi ce poisson. Bah là, demain il vient. L'esturgeon, ouais, j'en ai eu. Ouais, bah. Il faut que demain j'aille pêcher au lac. On en a en hiver. Ouais, il vaut 300 le poisson en or. Alors en iridium, je te dis même pas. Mais moi, je crois qu'il y en a un que j'ai vendu genre dans les 400 et quelques. Hein. What? Bah pour l'instant, il y a l'esturgeon qui vaut cher, la truite tigrée qui est pas mal aussi. La morue. La morue lingue à vos chers. Ouais, le concombre violet, il vaut 375 en Ouais, or. voilà. Oh, le poisson pierre. Ben écoute, je vais aller là-bas, hein. Demain, je vais à la mine, hein, et je pêche à la mine. Hein. Ouais, mais après, est-ce que ça vaut vraiment le coup dans le sens où... Oui, le poisson vaut 400, vaut Ouais. minimum 300 or. Mais ça se trouve, tu vas tomber dessus une fois tous les 1000 ans. Donc ça, en termes de... Bah de taux de pêche, ça vaut pas du tout le coup. Faut penser aussi que dans les endroits un peu chiadés, tu vas galérer à le pêcher, ou voire même tu vas prendre du temps pour le pêcher. Genre la morue-lingue, c'est assez long si tu galères quoi. Ah ouais, le poisson de glace c'est pareil, il vaut quoi? Niveau 60 de la mine, il vaut 500. Oh putain. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai trouvé le poisson plus cher. C'est bon. Après, il faut voir si ça pêche tout. Si ça pêche tous les Chrates de maths, tout ça fonce à côté du lac. Bon, du coup, le 120 est atteint. Ah bien. Ben, il va falloir que j'aille chercher la clé. Ou c'est pour nous deux la clé? Ouais, c'est pour nous deux, donc c'est bon. Eh ben putain, j'ai galéré avec mes inventaires, hein, je te le dis. Hein. Oui, ça m'étonne pas. Ouais. De toute façon, là, de... Ah oh oui, on a 418 de cuivre. Oh, le Non, cheval. Alors, attends, est-ce qu'on a non du convertible. cheval? Le Du cheval. chevesne, bah peut-être dans ceux de qualité, je sais pas. Sûrement. Ouais, mais justement, c'est parce que je regarde ceux de qualité pour voir un peu. Le cheval, il vaut rien en or. Bah vas-y. Oui, C'est pour ça, justement, je regarde un peu ce qui vaut pas trop cher et que oui. je peux Vas-y, dégager. ceux qui sont aux F, vas-y, tu peux les convertir maintenant si tu veux. Oui, c'est qu'est-ce que je suis en train de, justement. Ouais, la morue-lingue, elle vaut 180 en or. Que 180? Ouais. Il me Mais toi, t'as semblait. les 25%, hein. Faut pas oublier. Hein. Enfin, il me semblait que. Bref. Bah, la dernière fois, ouais, tu l'avais revendu pas mal, hein. Ah ouais. Mais ça, c'est de base sans les pourcentages de machin. Mais peu importe. Ça ne change absolument pas le. Bah, 25% du prix, quand même, en plus. Oui, mais ça ne change pas le. Je veux dire. Si un poisson est à 400 et si un poisson est à 300, c'est pas avec le plus 25% que celui à 300 deviendra plus cher que celui à 400. Donc dans tous les cas, ton classement reste bon pour savoir lequel est le plus cher et lequel est le moins cher.
Mais j'ai trouvé lequel c'est plus cher, hein. Ouais, mais Ah encore ouais, une on fois, débute tout. il faut que ça en vaille la peine, tu vois. Si c'est pour perdre du temps pour rien et que tu tombes sur le poisson une fois de temps en temps, ça vaut pas le coup. Bah, il faut tester justement, ouais. Faut que j'aille teste. Ça fonce à côté de la mine, donc. Enfin, à côté du lac aux montagnes. Et c'est là où il y a les esturgeons, donc. J'ai encore des appâts, moi. J'ai mis où la viande d'insecte? Elle est là. Voilà, j'ai tout transformé en. Y a 6 viandes d'insectes là-dedans. Oh, c'est bon, je suis remonté à 325 pas donc. Bah du coup, est-ce qu'on a encore besoin d'or? Non, on a. On a 45 de gold et 60 minerais. Non, 100 minerais, pardon. Oh non, on est bon là. Sachant, il nous reste quoi à améliorer? Eh mais Là, ouais. mec, on est lundi au fait. Oui, on n'a pas fait le. On n'a pas fait le break. Tu veux faire Bon, voilà. full tu veux faire full on continue là? C'est comme tu veux. Hein. On peut continuer. Bon, on fait le break pour le mardi, tant pis. Oui, mais faut mettre un truc à vendre. Ah ouais, je voyais pas le temps passer. Ah mais moi non plus. Bon bah du coup de la pêche, hein. Attends, il faut que je fasse un truc là. Parce que ça commence à me titiller les nerfs et. Et on peut se permettre, on a beaucoup de. Voilà. J'ai juste fait deux fourneaux en plus. Ah, faut que je regarde les achievements de la guilde. C'est vrai qu'il faudrait avancer ça. Oui. Mais bon, là, la pêche. Amaury, il faut que tu pêches. C'est faux, ta stat niveau 10. Il te l'aurait même fallu avant. À la fin de l'hiver. Comme ça, tu continues à pêcher et les trésors. Là, ouais, bah, je vais aller pêcher là, justement. Non mais voilà, mais voilà, il y a ce putain de poisson particulier qui me fait chier. Ah, je sais c'est quoi ça. Je pense que c'est les esturgeons. Mine, voilà. Et je vais aller tester. Si ça vaut le coup ou pas de. Parce que si c'est dans la montagne, ton poisson, dans la montagne, tu vas surtout pêcher des jaujacolas et des algues, hein. Bah justement, je suis en train de tester. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Façon, là, l'objectif, c'est de monter ta stade de pêche et qu'on accumule quand même des poissons pour faire les engrais. Travailler de la pêche pour faire de l'argent, c'est pas trop l'objectif à la base. Tu te disperses, Amaury, tu te disperses. Hop. On va les pêcher à la montagne, ça sera plus prolifique. Par exemple, les perches, je vais pouvoir les dégager, ça vaut rien. Je suis débile.
Qui m'énerve. Ouais, je viens d'avoir un esturgeon, il m'a bien troll. Par contre, on n'a pas eu des anneaux si pétés que ça. Alors moi, je me rappelle qu'en solo, j'arrivais quand même à en avoir assez rapidement. Des anneaux intéressants. Ah, des anneaux? Ouais. Ben là, on en a eu à craft. Mais ils ont pas l'air d'être fous. Oui, on... Plus tard, et là, on tu vois, mon matériel de pêche est usé. Donc là, l'hameçon, il s'est pété. Et j'ai pas pêché tant de poissons que ça depuis que je l'ai mis. Hein. Ah. Après, je sais qu'ils ont duré, mais je sais pas la durée. C'est pas très long. Hein. C'est ça que l'achat vaut pas trop le coup. Hein. Bah, il nous a quand même aidé pour le poisson. Pour les gens. Je suis pas sûr. Hein. Je pense pas que ça aurait changé quelque chose. C'était pour à peine augmenter ma barre et. Je me troll. Bah par contre, je n'ai jamais utilisé mon tamis hein, pour l'instant. Oui, le tamis, honnêtement, tu peux le ranger. Hein. Mais tu peux trouver l'iridium avec le tamis? Bonne question. Faut que je regarde. Si tu peux trouver l'iridium, c'est bien de s'en servir quand même. Ouais, mais ça veut dire que tu dois courir après les. Les trucs quoi. Mais faudra que je regarde, ouais, tiens. Ah oui, le marché nocturne. Oui, ça par contre, il faut pas que je le loupe. C'est à partir de. C'est jusqu'à quelle heure qu'on peut y aller? 23h. Et c'est à la plage? Oui. Je vais y aller. Ça veut dire qu'on va. Bah ouais, moi aussi, je vais pêcher ouais, dès que ouais, ouais, non, mais pêche, pêche jusqu'au dernier moment. Il y a un bug. Et on a boulé de regarder la quête. Bon, ouais, ça va, c'est que lundi. On peut la regarder maintenant. Non. Les ossements, il nous faut... Oui, je sais quoi, mais je peux pas le dire, c'est pour ça. Elle a du minerai à vendre. Qui? La marchande. Et du minerai. Il nous en manque un, c'est ça? Un seul, ouais. Un minerai d'iridium pour avoir un autre lingot. Ouais, c'est pas grave, mec. C'est pas tendre. Hein. On n'est pas un lingot prêt, bah... hein, pour l'instant. Non, je sais. Après, on a l'en vendre, c'est pas ça. Non, mais non. Le vend combien l'unité? 300. Je
Attends, sachant qu'il nous en faut. On a deux lingots actuellement, c'est ça? Oui. Deux lingots, il nous en faudrait 5 pour avoir un arroseur pété. Ça veut dire qu'il nous, nous en faut 10. Quoi, c'est 10 lingots pour l'arroseur? Non, je te l'ai dit parce que les 5 premiers, faut que je les mette de côté. Tu te fous de ma gueule? Mais non, je te l'ai dit en plus au début. Mais tu vas en faire quoi tes 5 lingots là? Mais je peux pas te le dire, c'est pour ça. Mais ouais, non, mais attends, faut qu'on en parle là parce que c'est genre ultra chaud à avoir. Mais c'est pour ça que. Attends, on est level combien là? Enfin, je regarde mes levels. 7. Alors, 17, 7, 6, 6. Sachant qu'on a quasiment terminé le. Quasiment terminé le. Le centre communal. Non, parce que en gros, là, le minerai d'iridium, là, si. Si admettons, on veut faire 2 lingots, ça coûte 3000 balles. Du coup. Donc, 4 lingots. Alors, ah, avant que 5 minerais, c'est tout. Oui, ah. Mais ça nous fait un lingot direct. 5 fois 3500. Ouais. Bah, si tu veux. Si tu veux. Bah, il est pas cher, donc ouais. Il m'en fera l'arroseur aussi, il faut en priorité. Hein. Bah, c'est ça, et vu que tu dois visiblement prendre 5 lingots, ben en fait, l'arroseur, on l'a pas de suite. Hein. Oui, c'est parce que voilà, les 5 lingots, c'est pour un truc qui va nous falloir et qui va être pour la suite. Et je pêche que des algues. Mais de toute façon, ça sert à rien que, là, que j'aille au marché. Bah, tu peux aller à la plage pour avoir la cinématique déjà. Ah, bah, dure combien de temps la cinématique? Ah, oui, putain, c'est vrai. Parce que là, il est 23h. Je vais pas y aller. Oh non, lag pas. Il faut qu'on mette un truc à vendre. Ouais. Je vais m'en occuper. Ça fout là, le marché, il est fini. Ça c'est qu'on a un lingot en plus, il ne manque que 2 pour bah pour tes bails. Pour l'arrosoir. Bah non. Pour l'arrosoir en priorité. Après bah je te l'ai dit. Mais tu me dis là tu me dis non il me faut d'abord mes 5 lingots. Moi je pars du principe que alors on peut faire aussi. On peut faire aussi les 5 lingots là, pour le machin. Parce que si moi je commence à m'attaquer à. Parce que je pense. Et j'ai pas assez de place avec tout le bordel que j'ai. T'as mis un truc à vendre? Non, je vais le faire. Il voudrait bien arrêter de bug. Oh, ouais, bon, mais je sais pas, j'en sais rien. Là, en premier lieu, tu me dis que non, il faut garder 5 lingots et donc c'est après l'arroseur. Bah, mais on peut garder 5 lingots pour l'arrosoir. C'est parce que je pense que l'année prochaine, il va falloir qu'on s'attaque à. Il faudrait que je calcule le nombre d'arrosoirs. Enfin, d'arroseurs de qualité. Qu'il nous faudrait. Mec, pour les arroseurs de qualité, les arroseurs de qualité, il nous en faudrait une tonne pour rentabiliser pour tout le champ d'américain qu'on veut faire. Hein. Sachant que c'est. Alors, sur. Attends. Moi, je te le dis, hein, pour la deuxième année, les arroseurs, je pense, t'oublies. Hein, pour les arroseurs automatiques. Hein.
Pour la deuxième année, t'oublies, hein. Ce serait vraiment à partir de la troisième année, si vraiment on, voilà, il nous manque voilà, les derniers trucs du jeu à faire, qu'on veut continuer à planter sans avoir à se faire chier. À partir de là, on pense aux arroseurs. Mais avant ça, les arroseurs automatiques, je pense que t'oublies, hein. C'est vraiment, je Oui. pense que c'est vraiment ouais, troisième année, hein. Parce que au printemps, les arroseurs automatiques, je pense qu'on ne pourra pas les faire. Et arrivé à l'été, on aura autre chose à faire que de penser à ça parce qu'on va spread le maïs. Et on ne va pas commencer à faire des trous dans le maïs pour mettre tes arroseurs. Faut prendre en compte qu'on a déjà les arroseurs en or. Et si on peut faire les arroseurs en iridium, ça peut quand même aller relativement vite l'arrosage. Oui. Et au pire, il y a une partie 2 du champ qu'effectivement, oui, tu mettras des arroseurs automatiques si vraiment tu penses qu'on peut se le permettre. Mais dans un premier temps, je pense que les arroseurs automatiques, bah, c'est pas trop la peine de se prendre la tête là-dessus, quoi. Ok. Enfin, ça va plus être une galère qu'autre chose. Non, c'est parce qu'en fait, je regarde aussi un truc en même temps. Pour moi, calculer un truc. Ok. Bon, dans tous les cas, des bisous YouTube.